qu'à l'avoir au quotidien. C'est une présentation, comme ça tu sauras bien. Voilà. En fait, ici, il y a deux livres, un livre normal, il y a deux livres. Toi, il y a deux livres. Un livre normal. Normal. Et le même livre qui lui reçoit du braille. Voilà. Bon, ça c'est l'invention. Donc on a la couverture, c'est carrément. C'est le même livre, c'est vraiment identiquement. Voilà. Et on peut prendre, je vais dire, un exemple, dans une famille où il y a un enfant qui est aveugle, et on peut partager le même livre. C'est un projet pédagogique. Il est culturel et pédagogique, hein, en plein. Là. Plus pédagogique que ça, il n'y a pas. Il y a même, je vais dire, ici, voilà par exemple, ici, c'est un outil pédagogique. Voilà par exemple, ici, il y a le braille. Voilà, tu peux le toucher, tu vois, donc ici. Voilà. C'est le braille. Donc ici, dans le même livre, on a bien entendu aussi l'alphabet braille. Donc, même par exemple, on prend des institutrices. Si des institutrices qui sont, je veux dire, dans des enseignants ont besoin, par exemple, de parler, puisqu'il y a la différence entre des non-voyants et des voyants, on va appeler à la tolérance. Voilà.